Le palmarès du guide Michelin est tombé. Dans le département, seul Christophe Roux, chef du 9e art à Lyon, a été récompensé, retrouvant ses deux étoiles acquises dans son ancien établissement de Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. De son côté, la Rotonde, l'un des restaurants du casino de Charbonnières, passe de 2 à 1 étoile, une conséquence directe du départ de son emblématique chef Philippe Gauvreau. Mais pour son successeur, cela est loin d'être une déception. Les 2 étoiles auraient pu être complètement disparaître. C'est pas une rétrogradation parce que j'ai pris les rênes des cuisines de la Rotonde il y a un an de ça. Donc j'ai été jugé sur une année en étant reparti à zéro en début 2014. Donc voilà, une étoile au Michelin aujourd'hui, c'est une récompense de l'année encourue. À seulement 35 ans, Jean-François Mal est déjà passé par plusieurs restaurants et a été sacré champion du monde de pâté croûte. Avec cette première étoile en poche, de nouveaux défis s'offrent à lui. L'objectif, c'est vraiment de maintenir le niveau toute l'année, d'être bien régulier dans notre travail. Et donc voilà, on verra si cela est récompensé dans l'avenir. Dans le département, aucun autre établissement n'a été primé ou sanctionné par le guide Michelin. Le Rhône compte désormais 23 restaurants étoilés.